diamond painting, d'ailleurs qui ne colle plus. Donc c'est un partenariat que j'ai avec New Craft Day. Donc c'est principalement New Craft Day avec du diamond painting. Donc c'est toujours livré avec le petit crayon, la petite boîte verte pour mettre les diamants, la petite gomme, et vous avez une réduction si vous commandez avec le code promo que je vous mettrai en bas. Alors, est-ce que je l'ai là? Normalement, je l'ai là, dans un coin, comme j'ai tout rangé l'autre jour. Je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas où il est. Ce n'est pas bien grave. Donc, je vais le finir avec vous. Et ensuite, après, je vais vous montrer ce que je fais de mes diamants painting. Car il est bien évident que je ne vais pas décorer toute ma maison avec les diamants painting. Là, mon mari me fait une crise. Là, c'est... Mon Dieu, t'as pété un câble. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, bah oui. Donc, faut bien trouver une solution. Hein. On les a fait. On les garde. On va pas les bazarder quand même. Hein. Hop. Donc, celui-ci, c'est, ça représente des ruelles provençales. J'ai bien aimé le faire parce que ça change tout le temps de couleur. Là, c'était pas des numéros, c'était il y avait des petits, s'il y avait des lettres, des Z, il y avait des slash, il y avait des, voilà, c'était différentes choses. C'était pas toujours pareil. Donc on a bientôt fini. Alors pour les filles, là on est le 24 janvier. J'ai commencé juste à mettre les fameux patchs là avec des opioïdes dedans et puis tout ce qui va bien. Donc il faut que je le porte pendant 12 heures. Donc je vais attendre, je verrai bien ce que ça donne. En attendant le rendez-vous pour mon scanner et pour ma radio. Voilà. Parce que, comme dit le neurologue, en 5 mois, ça a bien le temps de changer. Mais bon, après, voilà, j'arrive pas à comprendre que l'on voit en fait 6 chirurgiens, n'importe quoi. 3 chirurgiens complètement différent, un à Paris, un à Lyon et puis un à Montpellier, et que l'on vous dise la simplicité, on retire tout, on remet, on rebloque carrément jusqu'en haut. Donc là c'est plus 8 vertèbres, je vous en parle même pas, et voilà, c'est la simplicité avec, comme disait le neurochir, bah, tout ce qui va derrière, les douleurs opératoires, on ne sait pas si on va avoir comment ça s'appelle, du positif à l'issue des opérations, tout ce qui est rééducation pendant, au lieu d'avoir une rééducation de 6 mois, bah, c'est une rééducation d'un an, voilà, bon, on vous opère. La simplicité. Et en fait, ce que je disais à mon mari, c'est le seul neurochir qui a pris le temps, qui nous a gardé une heure. On était en consultation privée et qui nous a gardé une heure, qui a regardé le CD de l'IRM en fait, millimètre par millimètre, et qui nous l'a décortiqué pour nous montrer que les greffes avaient bien prises, qu'il y a juste une petite vis en bas qui, voilà, qui bougie-note, on va dire. J'ai inventé un mot, les filles, bougie-note.
Quand ça bouge un petit peu, vous direz ça bouginote. Votre mari va dire, t'as vu ça où? Ben, je prends des cours de scrap, c'est des nouveaux mots de scrap, bouginote. Et voilà, j'arrive pas à comprendre. Alors, mon mari me dit, c'est comme une voiture, quand tu vas chez le garagiste, t'as un problème, allez hop, on change tout. Voilà. Sauf que là, c'est pas une voiture, hein, c'est pas une bagnole, hein. C'est un humain et j'arrive pas, je sais pas. Donc nous verrons bien ce que tout cela va donner. Allez, j'arrive au bout. Après, je vous montre ce que je fais de mes diamond painting. J'ai encore à vous remercier aussi pour tous les messages que vous avez mis en fait en dessous de la vidéo. Qui parlait de mon rendez-vous à l'issue de l'entretien que j'ai eu avec le neurologue. C'était très 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 gentil. Donc voilà, voilou. Pour ceux qui n'auraient pas encore commencé ou qui n'auraient pas vu ou qui veulent faire mais qui trouvent que c'est pas assez long, je pense qu'on va mettre la date de fin de concours le 15 mars. Parce que jusqu'au 28 février, c'est vrai qu'il n'y a que 28 jours, ça passe vite. Hein. Donc on mettra jusqu'au 15 mars. Je vous ferai une vidéo, pareil, il n'y aura pas un seul lot, mais du coup, il y aura deux beaux lots, mais sûr et certain, il n'y en aura pas un troisième. Voilà. Les lots, je les ai préparés. Il y en aura deux beaux. 2000 abonnés, ça se fête, hein, c'est comme les 20 ans. Pour les 20 ans, on fait la teuf. Ben là, on va pas faire la teuf. Mais quand vous recevrez les lots, les gagnants, vous serez heureux. Hop là, attention, j'allais mettre un carré. Voilà, voilà. Allez, on n'en a plus que 5-6 à mettre. Et après, je vous montre comment je procède. Le petit blabla. Pareil, il va falloir que je fasse un live, je ne sais pas quand. Sûrement un dimanche vers 18h, comme j'ai vu que ça arrangeait un peu tout le monde. Donc on fera un live le dimanche à 18h. Bon ben voilà, hop, c'est terminé. Les petites perles, moi, celles-là, elles sont tellement petites, il m'en reste plein que, hop là, il m'en manque un là. Il me faut une violette qui est partie en vadrouille. Normalement, tout est bon. Voilà. Alors. Donc, je me suis débarrassée de mes perles. Je ne m'en sers plus. On va faire de la place et je vous montre tout. Donc là, c'est de chez New Craft Day. Alors, je prends mon grand ciseau. Je découpe sur le bord. Là, j'ai une perle qui va se faire la roche. Voilà. La petite plaquette, je la garde. Voilà. Coupe la plaquette, je la garde, voilà, ben ça c'est fait. Je continue à couper le tour de mon diamond painting. Si c'est pas bien droit, mais normalement c'est droit puisqu'on suit les côtés, parce que les côtés en fait ils continuent de coller, donc du coup je les garde pas. Hop.
je vais garder le petit dessin qui est en haut. Ici, hop, hop, on fait quelque chose de propre quand même. Voilà, ça je le garde. Je coupe, là j'ai une perle en trop. Je coupe le dernier côté. Voilà, tout ça on le met à la poubelle. On prend notre grand cahier. Alors là, je vais être obligée de vous montrer pour tourner la page. Alors, c'est des cahiers que j'achète, c'est des cahiers de dessin que j'achète chez Action. Voilà. Ça, c'est Gutfeld. Alors, ça, c'est Newcraft Day. Je sais plus. Je marque pas. Hop. Je passe. Tac. Je passe. Et celui-ci, je vais le mettre là. Donc, pour ça, je prends du double face. Je mets du double face ici. D'un côté et de l'autre. Hop, ça je vais le mettre en bas de mon diamant de painting. Si j'arrive à le décoller. C'est toujours le même problème, et en plus quand on met sur quelque chose qui colle déjà, non, je prends mon épingle, ça ira deux fois plus vite. Voilà, hop, donc ça je vais le mettre là en bas. Hop, je vais vous bouger. La petite photo, je vais faire pareil. J'ai juste besoin d'un morceau. Je rentre, je mets ma petite ruelle comme ça, et derrière le grand diamant de painting, eh bien je vais mettre du double face. Je vais coller en haut, en bas, sur les côtés pour pas que ça se décolle. Est-ce que si on les met dans des les uns sur les autres superposés, au bout d'un moment il n'y a plus de place, on en a je sais pas combien et ça sert strictement à rien. Donc là je mets en plus ce grand cahier là de dessin, je ne l'ai pas payé bien cher. J'ai dû payer aux alentours de 2 euros. Vous en avez des moins grands si vous faites des petits diamants de painting. Vous en avez qui s'ouvrent dans l'autre sens aussi. Voilà. Vous avez toutes sortes. Vous allez du côté des dessins. Normalement, c'est juste derrière le truc de loisir. Tout est défait. Non,
et on n'a plus qu'à le coller et voilà, c'est fini et on range. Hop. Bon, je vais vider mes poubelles parce que c'est la cata, c'est la catastrophe. Ah, j'ai perdu une perle, on la remettra. Hop, on le centre bien. Et voilà. J'ai deux petites perles qui sont parties. Une là. Et j'en ai une autre là. Voilà. Hop. Et bien voilà. Donc sur ce, et bien voilà, je vous mettrai en barre d'infos le code réduc de chez New Craft Day. Comme ça, vous pourrez l'avoir. Je trouve ça très joli. Et en fait, il faut le regarder de loin. Quand je le regarde dans la caméra, ça n'a rien à voir avec le... avec le que je regarde. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cibles dingos, les cibles dingotes. Escape, bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.